Salut à tous, aujourd'hui je vous ai trouvé trois bonnes raisons de s'intéresser au tennis en fauteuil. Nous sommes à Ronchin dans la métropole lilloise et vous allez voir, le club met des bouchées doubles pour développer cette section tennistique. Ma première bonne raison, c'est le dynamisme du tennis club de Ronchin pour le tennis en fauteuil. Il existe ici une dizaine de licenciés, ce qui en fait un gros club régional. Pour en parler, je suis avec la coach Florence. On a voulu créer encore un nouvel élan parce qu'on a un potentiel de joueurs super intéressant en termes de niveau et de tempérament. Là, on a la chance vraiment, nous, d'avoir regroupé la plupart des joueurs qui étaient sur la métropole lilloise. Et puis, la dynamique du club a fait que d'autres se sont greffés dessus. Donc, c'est ça qui fait que le groupe est très important maintenant. Jérôme, reviens dans ce terrain. Une frappe chacun. Pauline, t'es prête? Allez, c'est parti. Allez. Ma deuxième bonne raison, c'est Pauline, 5e française, 80e mondiale. Elle vise les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Alors Pauline, bonjour. Vous avez arrêté le tennis pourtant, il y a quelques années, pourquoi ? Alors j'ai arrêté en juin 2016 parce que j'en avais un peu marre de voyager. J'ai joué pendant 10 ans au tennis à haut niveau. Oui. Donc j'ai voulu reprendre des études. Donc en fait, j'ai arrêté pendant 3 ans à peu près. Florence est arrivée au club, oui. Elle a repris la section et du coup, bah, ça a tout de suite matché, comme on dit, et on s'est lancé un défi toutes les deux à tenter les Jeux paralympiques. Très juste. Voilà. Tout est jouable puisque je suis 5e française, donc en général, ils prennent les 4 meilleurs. D'accord. Comme on est à Paris, donc on pense qu'on aura 4 joueuses sélectionnées. Ça, c'est la Fédé qui décidera en août 2024. D'accord. Voilà, je vais essayer de tenter d'être dans le top 10 mondial et dans parmi les 3e françaises. On vise à s'entraîner 4 heures par jour, comme les valides, comme les professionnels. 4 heures par jour, tous les jours, sauf le week-end. Vous avez gagné un tournoi, c'est ça? Ouais, j'ai gagné là cette année, en juin 2019, un tournoi à Cagnes-sur-Mer, dans le sud de la France. C'était mon premier tournoi international, à 11 ans de carrière. Ok, tu te replaces vite. Allez. Ok, allez, là tu agresses plus, là, bam. Allez, tout de suite, replacement. Ma troisième bonne raison, c'est une invitation. Ici, on vous invite à venir découvrir l'ambiance, à venir jouer ensemble, que vous soyez en fauteuil ou pas. Alors sachez qu'un fauteuil coûte cher, mais ici, il y en a plein de disponibles. Et si vous êtes valide, eh ben, la seule différence, c'est que vous avez le droit à un rebond contre 2 rebonds pour la personne en fauteuil. Allez, c'est parti.